Ça va, bon après-midi, on va recorder la vidéo là. Aujourd'hui, c'est grade 10, correct. Toujours avec Number System, mais nous pouvons introduire quelque chose de nouveau. Allez, nous avons un coup de qui va nous élever là. Voilà, mes élèves qui là. Nous avons admis tout. Ok, tout ça, mes élèves là, et join là. Une bonne partie pour encore finir join. Admis. Nous avons un coup. Ouais. Je vais m'asseoir. Oui. Ok. Allez. Admit all. Les enfants sont rentrés là. Allez, 19 enfants sont rentrés, les respects rentrés. Allez. Encore une fois, bon après-midi. Et nous allons commencer nous. Allez, ça va. Mais toujours avec le système, mais c'est pas nous pour introduire le aujourd'hui. Si je t'ai coopéré, si je suis classé, nous allons être. Bon, ça va, si tu as fini d'expliquer, nous avons une vidéo dans YouTube, nous avons nos WhatsApp groupe, tout ça là. Correct? Tu as un nouveau réseau là. Nous allons direct le topic. Correct? Binary System. Number System. Chapitre premier, chapitre, nous allons faire gratis. Number System. Tu es enfin correct? Number System, nous allons te poser. Nous allons dire Number System dans le syllabus, premier chapitre. Il y a Dinary. Dinary, sur le nom. Quel est ça? Dinary veut dire décimal. Décimal, c'est base 10. Et base 10, nous allons dire 0 à 9. Et apport, Number System Dinary, nous allons Binary. Mot Binary veut dire D. Veut dire base 2. Dinary veut dire base 10. Binary veut dire base 2. Base 2, nous avons 0 avec N. Nous avons octal, c'est la base P, non seulement. Octal, c'est l'autre number system, base 8. Et hexadécimal, base 16. Correct? Allez, nous reprenons le number system. Combien qu'a des number system? Nous avons dinary. Dinary, c'est le mot décimal, veut dire base 10. Binary, base 2. Octal, base 8. Hexadécimal, base 16. Ok? Veut dire base 10, base D, base 8, base 16. Décimal, binary, octal, hexadécimal. Mais octal P n'a pas la base. Correct? La base 10, nous avons 0 à 9. La base D, nous avons 0 à N. La base 8, nous avons 0 à 7. La base 16, nous avons 0 à 9. Après, nous avons 10. 11, 12, 13, 14, 15. Veut dire 0 à 15, faire 16. Mais seulement, nous n'avons pas le droit de dire 10. Nous dire A, B, C, D, E et F. Ça, nous ne finissons pas. Dans la dernière classe. La dernière classe, nous utilisons aussi des décimal, veut dire base 10, binary base D, et octal, nous avons dit la base, hexadécimal base 16. Correct? Et la base 10, nous travaillons 10 sur 0, 10 sur 1, 10 sur 2, 10 sur 3. 10 sur 0 veut dire unit column 1, 10 sur 1 veut dire 10, 10 sur 100, 10 sur 2 veut dire 100, 10 sur 3 veut dire 1000. Nous finissons par expliquer ça. Binary, nous utilisons correct? Nous avons encore des choses, nous avons des voix encore dans maths sur la nouveau guetté. Ok, base 2, nous allons dire, non, nous répondons. Dinary veut dire base 10, 10 sur 0 veut dire unit, 10 sur 1 veut dire 10, 10 sur 2 veut dire 100, 10 sur 3000, 10 sur 4 veut dire 10,000, 10 sur 5 veut dire 100,000. Ça c'est base 10. Base 10 veut dire dinary. Mais pas aujourd'hui, nous avons binary. Binary veut dire base 2, veut dire 2 sur 0. 2 sur 0. Tout veut dire 1. Anything to the power of 0, x to the power of 0, the 1. The unit, 2 to the power of 1 veut dire 2, and could be. 2 to the power of 2 veut dire 2 fois 2, fait 4. 2 to the power of 3 veut dire 2 fois 2 fois D, 4 fois D fait 8. 2 to the power of 4 veut dire 2 fois 2 fois 2 fois D, veut dire 8 fois D fait 16. Et 2 to the power of 5, 32. 2 to the power of 6, 64. 2 to the power of 7, 128. 2 to the power of 8 veut dire 256. Veut dire que nous travaillons de base D, sur un heading bin. 1, 2, 4, 8, 16, 30, 10, 128, 256, après 512. Ça, c'est base D. Maintenant, la base D, nous allons devoir nous finir corriger la dernière fois. Nous allons nous une base D, par exemple, dans l'exemple-là ici, nous allons nous 0, 0, N, N, 0, 0, N, N, la base D, nous allons nous faire une base 10, tu es sur heading là-haut. Veut dire N, premier heading, veut dire 1, 2, 4, 8, 16, 30, 10, 64, 128. L'être multiplié par 0, il peut tomber 0. Ça veut dire n fois 30D, 30D, n fois 16, 16, n fois D, D, n fois N, N. 30D plus 16 plus D plus N fait 51. Et puis, ça va nous dévoiler la gestion d'activité 1.N et infini corriger ça. Correct? Maintenant, je vais aussi convertir base 10 qui est une binary. Il y a deux méthodes. Method 1 avec Method 2. Method 1, il y a un jumon sans s'étropie. Nous écrivons un heading là. We write the heading. C'est ce heading là dépasse 107. Et nous avons besoin du monde 107 roupies. Dans base D, nous avons coin 1 roupie, 2 roupies, 4 roupies, 8 roupies, 16 roupies, 32 roupies, 64 roupies et 128 roupies. Nous écrivons
un heading là jusqu'à qu'il dépasse ça. Combien nous avons donné là? 107. Maintenant, nous avons donné du moins 107 roupies. Est-ce qu'il nous a donné 128 roupies? Un coin 128. Non, nous avons 0. Et là, nous continuons de donner du moins là. Nous avons 64. Mais dire, moi, j'ai 107. Ok, 107 retire 64. Je vais expliquer. Si nous donnons du moins là, 64. Correct? Et 107 retire 64, 107 retire 64, il fait 43. Correct, reste 43. Puis vous donnez du moule là. Et à cause de ça, nous mettons N là, parce que nous donnons du moule là 64 roupies. Maintenant, de 43 roupies, il est resté. Est-ce qu'il me garde du moule là 30? Oui, il me donne 32 roupies. Reste 11. Mais déjà, mon boutier a 32 là-dedans. Ok, 32. 32. Il reste 11. Correct, à cause de ça, nous mettons N code 32. Maintenant, est-ce qu'il me garde. On a 11 roupies, vous donnez. Mon cadre 16 roupies, non, on met 0. Est-ce qu'il me cadre 8 roupies? Oui. Je me donne 8 roupies, là, 11 tiers 8. Je mets N code 8 là, parce que je me donne 8 roupies. Reste combien? 3. Correct? Dans 3, mon cadre 4, on met 0. Mon cadre 10. Ouais, mon cadre 10. Correct? Et je me donne 10, on met N là. Il reste N, je retire N en gros là-dedans. Et là, vous mettez 0. Et ça, nous finissons à ça. Maintenant, le cas, checker nos réponses bon par bon. 64 plus 32, combien? 64 plus 30, il fait toi 96. 96 plus 8, il fait toi 104. Et 104 plus D, fait toi 106. Et 106 plus N, fait toi 107. Les comptes est bon. Tu n'as pas multiplié les lits, tu as ajouté, tu as la même réponse. Mais tu as multiplié la comptes, tu n'as pas ajouté les lits, tu as la même réponse. Je vais dire 64, correct, plus 30, correct, 64 plus 30. Voilà, plus 8, plus 10, plus N, 10 pour faire toi 107. Tu as checké l'examen de réponse bon ou ça va pas bon. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Voilà. Deuxième méthode, nous faisons division method dans la classe. Et aujourd'hui, nous allons corriger la question de division method. Division method, comment passer? Tu prends 107, tu divises par 2. Correct, 107 divise par 2, fait à 53. Et remainder n. Tu divises 53 par 2, tu fais 26, reste remainder n. Et tu prends seulement remainder, la première remainder, deuxième remainder, et tu redivises, tu ramasses le remainder. Il y a 107 divisé par 2, fait 53, remainder 1, correct là? Et 26 divisé par 2, remainder 1, tu ramasses le remainder. Et 26 divisé par 2, fait 13, remainder 0, tu ramasses. Et tu divises, tu vas aller, tu ramasses le remainder, c'est la même réponse. Ça réponse qui te gagne là, mon écran, et dire n, n, 0, n, 0, n, n, n. Et dire 107, tu es capable d'utiliser le ramasse remainder, déjà méthode de bouger sa réponse en binary. Maintenant, je vais avoir le corrigé. Correct? Est-ce qu'il m'a besoin de corriger des voies là ou ça m'a continué à expliquer? Allez, dis-moi, je corriger des voies, oui ou non? Nous corriger vite, vite. Ou ça non? Allez, corriger. Mais moi, rappel, nous avons corrigé tout ça des voies là et qui méthode nous avons servi? Division. Correct là, tous les enfants avec moi? Allez, nous servi division méthode, nous corrigons des voies. Correct? Et je vous ai rappelé, je vous ai 41, 67, tout ça des voies là, je vous ai deux mois, un par un. Allez, nous essayons corriger. Nous rentrons en paint. Je vais vous faire ça pour écrire mon corps. Ok, nous mettons. Allez, premier, vous corrigez qui numéro ça diamant, écoute, mes enfants? Mais quand vote quoi? Allez, nous 41. Convert 41 de base qui est ça 41 de qui base ça 10 fait living base 2 correct. Allez, comment nous faire? On prend 41 nous divise par 2. C'est bon là? Allez, 41 divise par 2. Combien tu fais ça? 41 divisé par 2 il fait 20. Remainder combien? Allez, ça remainder n là, moi écrit là. Correct là, je trouvais mon écrit là. Après 20. 20 divisé par 2, combien il fait? 10. Remainder combien? 0. Moi, je vais faire 0 là. J'ai trouvé, non? Après 10 divisé par 2, combien il fait? 5. Remainder combien? 0. Moi, je vais faire 0 là. Correct, tous les enfants me suivent? Et 5 divisé par 2, combien il fait? 4. Non, 2. 2, remainder 1. Voilà, remainder 1. Et 2 divisé par 2, il fait à 1. Remainder 0. Correct. Et n divisé par 2, il fait 0, remainder 1. Ben voilà. Maintenant, nos réponses qui nous gagnent,
n, c'est n0, n0, 0, 0, n. Maintenant, nous allons checker si la réponse est bon ou pas bon. Le cas, c'est que si nous avons 41. Comment nous checker si nous avons 41? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Je vais dire 32 plus 16. Non, sorry. 32 plus quoi? Allez, dis-moi qui nous a fait. La réponse est bon ou pas bon? 30, ouais, 32 plus 8 plus n. Allez, 32 plus 8, comment fait ça? 40 plus n, comment fait 41? Je vais dire ok, good. Bon, pas bon. Correct? Qui méthode non servi? Non servi divi? Division. Tous enfants corrects? Allez, tous enfants corrects là? Mon carré effacé, on prend le numéro? On prend le numéro, oui ou non? Allez, le numéro. Correct? Allez, le numéro, ne vous pas. C'est 67. Ok, pareil, 67. Correct, convert. Bon, ça coûte moins pour écrire là. Convert. Attends, moi non plus. Convert. 67. De qui base? Base 10. Fais une base. D. Correct. Allez, bien bon, ben, on va suivre. Allez, comment nous faire ça? Nous faire 67 divisé par 2. Allez, 67 divisé par 2. Comment il fait ça? Il fait 33 remainder n. Mets ça n là. Voilà, 33 remainder n. Divisé par 10. 33 divisé par 10. Ouais, 33 divisé par 10, il fait à 16. Et remainder combien? N. On met n là. Right. 16 divisé par 10. Des fois 8 fait 16. Remainder c'est 0. On met 0 là là. Voilà. Et 8 divisé par 10, combien il fait? 4. Remainder 0. Bien bon. Et 4 divisé par 2, il fait 10. Remainder 0. Allez, allez. Et 2 divisé par 2, il fait 0. Remainder. Non, n. Il fait n. Remainder 0. À ce ça, n là, ça n là, mon redivisé par 2. Attends, mon raté là, combien de 0 là? 1, 2, 3, 4. C'est bien à 4, 0 là. 1, 2, 3. Bon, mon papa est trouvé bien, bien face à la place. Non. Ok, mon face à la parce que c'est la place. Correct. Allez, mon face à la là. Correct. Allez, nous avons un remède à nous ramasser là. Nous avons un remède là. Premier remède à N, mon écrit. Deuxième remède à N, mon écrit. Combien de 0 il y a? 1, 2, 3, 4, 4, 0. Bon, je fasse ça. Correct. Bon, bien à 4, 0. 1, 2, 3, 4. 4, 0. Correct là? Après, ça n qui reste là, je divise par 2. Il peut venir 0, remainder 1. Je veux dire là, il peut venir n là. Allez, comment nous checker dans l'examen si pas nos réponses bon ou pas bon? Correct là? Nous pouvons écrire sur un heading là où? Heading là qui est venu? N. N, D, 4, 8, 16, 32 et 64. Allez, comment nous checker nos réponses bon ou pas bon? 64 plus D plus N. Ouais, 64 plus D plus N, comment faire? 64 plus D fait 66, plus N fait 67. Réponse bon, pas bon. Ok, good. Tous les enfants suivent là? Comment on gagne une réponse? Question? Question? Allez, nous delete, nous refaire le numéro. Avec quel numéro nous avons 86. Voilà. Allez, 86. Allez, nous faisons. Un minimum de plume, 86. Donc, qui base ça? Base 10. Question c'est faire une base D. Correct. Allez, prends 86 divisé par 2. Non, allez, même. Nous ramasse les mains. Bon, 86 divisé par 2, il fait 43. Remainder combien? Non, remainder 0 parce qu'il divise exact par ça. Checker. 86 divisé par 2, il fait 43. Remainder 0. Allez, 43 divisé par 10. Ça n'a qu'à dire comment il fait. 21. Remainder combien? N. Après, tu écris remainder là-bas. Bon, là. Allez, 21 divisé par. 21 divisé par 10. Comment il fait ça? Ouais. 10 remainder 1. Correct. 10 remainder 1. Allez, nous écrire ça. N là, remainder là. Correct là? Allez, 10 divisé par 10. 5. Remainder combien? 0. Ramasse remainder là-bas. Ré 10 par 10. Il fait à 10. Remainder combien? N. Allez, redivise par 2. Combien il fait à N? Remainder 0. Allez,
Ça divise par 2, combien tu fais? 0. Remainder 1. Allez, à ce moment-là, nous pouvons checker si nos réponses sont pas bon. Check. Ok, nous pouvons checker là. Hein? Check. Les enfants corrects là. Allez, vous checkez une nouvelle. Nous avons nos headings 1, 10, 4, 8, 16, 32, 64. Je veux dire, quand il y a un là, nous pouvons ajouter. Vous faites 64 plus 16 plus 4 plus 1. Allez, 64 plus 16, il fait toi 80 plus 4. Fais toi 84 plus 1, il fait toi 80. Il y a un là. Non, non, il fait un erreur là. Ici, parce qu'il y a un, il y a 10, ça veut là. 1 fois 10, 10. Et là, il fait toi 86. Ok, tu fais un erreur là. C'est bon, on va tirer un erreur là. Ctrl A, on va select tout, on va delete. Question pour moi, on va faire vidéo, je vais régler mon vidéo, corriger votre réponse. Bon, ben, quand à suivre, je vais trouver mon écran. Allez, correct. Je vais aller trop vite. Allez, suivez-le. S'il y a une question, je vais répondre. Hein. Bon, delete. Qui est arrivé là? Mon delete 100. Bon, on va le numéro. J'ai mal le numéro là. 100. Et bon, là, c'est une petite chose. J'ai mal là. Hein. 100. Je vais dire 100. Voilà. 100. Dans la base 10, ça. Il peut nous faire divine base D. Correct. Allez, prends 100 divisé par 10. Comment il fait 50. Remainder 0. Ramasse remainder là. Quand on divise par 10, il fait 25. Correct. 25 remainder 0. Quand on divise par 10, 25 divisé par 2, il fait toi un 12. Remainder. Ouais, un remainder. Je vais mal écrire là. 12, voilà, 12, remainder 1. Mets 1 là. 12 divisé par 2, il fait à 6, remainder 0. Et 6 divisé par 2, il fait à 3, remainder 0. 3 divisé par 2, il fait à 1, non. Remainder 1, ouais. Et 1 divisé par 2, il fait à 0, remainder 1. Voilà, maintenant vous checkez nos réponses. Bon, pardon. 1, 10, 4, 8, 16, 32 et 64. Allez, diamant, pas de côté, nous multiplions ensuite. 64 plus combien? Allez, diamant. 64 plus 32. Ça fait tellement là ou ça va finir par ça? Allez, 64 plus 32 plus combien? Allez, combien gagne ça? 64 plus 32, fais-toi 96 plus 4. Ouais, 96 plus 4 fait 100. Est-ce qu'il nous répond bon ou pas bon? Ok, good. Good. Mets un right. Correct là? Allez, prends l'autre numéro. Trop vite? Non, capable à suivre. C'est très bien pour la vidéo. Allez, sélectez tout. Instant up et delete. Y'a allez. Maintenant, quel numéro nous faire? 111. 111. Nous avons fait suivre. 111. Allez. 111 la base 10. Correct, il veut dire nous faire une base D. Après, vous checkez nos réponses. Bon, 111 divisé par 2, hein. Allez, 111 divisé par 2, il fait quoi? Ouais, 55, remainder 1. Ramasse remainder là, gardez-la. Redivise par 2, 55 divisé par 2, il fait toi 27. Très bien. Ramasse remainder, gardez-la. Allez, continuez à causer. 27 divisé par 2, 13, ouais. 13 divisé par 2, il fait à 13. Remainder 1. Right, bien bon. Et 13 divisé par D. 13 divisé par D. Bien bon. Ouais, 6 remainder 1. Très bien. Hein? Je vais faire très très bien. Et 6 divisé par D. 3 remainder 0. Mais c'est moi qui ai divisé par D. 3 qui est bon. Moi, je vais gagner l'espace. Mon pays là. 3 divisé par D. Il pouvait être N remainder 1. Et 1 divisé par D. Il 0 remainder 1. Correct. C'est à nous de checker si nos réponses sont bonnes ou pas. 1, 10, 4, 8, 6, 32, 64. Nous ajouter. 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 10 plus 1. Allez, nous ajouter. 64 plus 32, il fait à toi 96 plus 8, il fait à 104 plus 4, il fait à 108 plus D, il fait à 110 plus N, il fait à 111. Ok, good.
Bon, bah bon. Allez, delete. Ne réponds pas le petit mot. Maintenant, le petit mot, allez, allez, 127. Un élément qui a fini d'avoir ma réponse exacte. 127. D'abord, en fait, pas besoin de faire. Voilà. Il a fini de réaliser qui a écrit la réponse directe. Comment il a écrit la réponse directe? Il y a un trick pour ça. Correct? Dès le moment où je trick là, je vais vous dire que d'avoir une dernière classe. Il est écrit sur heading. ND 4 8 16 32 128. Mais 128, il y a N, il fait à 127. Je veux dire, si tu mets N là, je veux dire, là tu mets 0. Je veux dire, là tu as N partout, il y a next heading minus 1. Je veux dire, en fait, si tu veux checker ta réponse, 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus D plus N, il vous donne 128, retire N. Il vous donne 127. Et ça, je ne les en prendre. Si tu as NNN, c'est next heading minus 1. Il y a 128, tu as N, tu as 127. Correct? Les enfants, tu as écrit la réponse directe ici. Maintenant, pour moi, c'est pas trop cool. Ça, moi, je donne le trick. Si tu as N, si tu as NN, comme ça. Bon, mon pensée, moi, je finis d'expliquer dans la dernière classe. Là. Ok? Ça, je vais te faire. Allez, on prend le numéro. Ctrl E. On delete. On prend le numéro. 144. Ok, 144. Vite, on a le 8. 144, qui m'en fait là. 144, qui m'en a fait là. Ctrl Z. Allez, 144. Allez, aide-moi 144. Je peux faire une base D. Vite, 144 divisé par 2. Allez, 144 divisé par 2, comment tu fais toi? Il fait 72. Ouais, remainder 0. Vite, on met 0. Allez, bon là, remainder 0. Redivise par 10, 72 divisé par 10, 36, remainder combien? 0, redivise par 10, allez, redivisé par 10, 18, très bien, 18, remainder 0, remplace remainder, redivisé par 10, ouais, 8, c'est 18 divisé par 10, il fait un 9, 9, remainder 0, le redemarcer. Et 9 divisé par 2, il fait 4. Bien bon. Et 4 divisé par 2, il fait 2. Bien bon. Et 2 divisé par 2, il fait 1. Et n divisé par 2, c'est 0. Et ça, n là, de mettre là. Maintenant, nous vous check réponse. Ça, c'est la réponse. Nous voulons dire n, 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128. Allez, qui nous fait 128 parce qu'on va tout dans N nouveau point 128 plus 16 réponse. Allez, 128 plus 16, il fait toi 144. C'est qu'un coup. Et les réponses, bon, ok, good. Correct? Bon, pas bon. Allez, prends le numéro. Allez, nous prends le numéro. Allez, je vais tout bien comprendre là. Moi, il fait 189. Correct? 189. 189. La base 10 peut être une base D. 189 divisé par 2. 189 divisé par 2. Il fait toi 94 remainder N. Tu ramasses remainder là. 94 divisé par 2. 94 divisé par 2. Il fait 47 remainder 0. Tu ramasses remainder là. Et 47 divisé par 2. 47 divisé, si quand vous faites 47 divisé par 2, il fait 23. Allez, 23 remainder n, très bien. Et 23 divisé par 2, 23 divisé par 2, il fait 11. 11 remainder n. 10 par 2, il fait 5 remainder n. 5 divisé par 2, il fait 2 remainder n. Et 10 divisé par 2, il fait 2. N divisé par 2 vers 0 1. Maintenant vous checkez si une réponse bon par bon. N D 4 8 6 32 64 et 128. Mais 128 plus combien? Non, on fait 128 plus
128 plus 30 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1. Chicken good. Chicken good. 128 plus 30 plus 16 plus 8 plus 4 plus 10. 190. C'est un réel. Chicken réel à côté. Redia. Mon gars, réponse 190. Et en plus, ça, non? Côté là. Ah, ça, N là, tu vois. Écoute, mon frère. Ça, on va là. Ça, tiré. Allez, là, il est bon. 2 divisé par 2. C'est un N. Premier de 0. La réalité, tout le monde va trouver 128 plus 30. Il y a 160. 160 plus 16. Il y a 160 plus 16. C'est bon là? Il y a mon mal ajouté. Tu n'as pas mon mal. Attends, mon mal ajouté là. Attends, mon gars, 128. Attends, mon réponse. 128 plus 30. Ouais, plus 30, plus 16, plus 8, plus 4. Ouais, plus 4, plus N, là, mon dernier. Là. Ouais, bon, la réponse est bon. Plus N, il faut faire toi, 190. Ouais, c'est bon, là. Ouais, dans le cadre d'artiste, on m'a tipé. Ok, bon, c'est bon, on est compté. Maintenant, on presque arrive la fin. Bon, si jamais Zoom sorti, nous pourrions rentrer, hein. Ouais, on fait encore une session, là. C'est-à-dire, là. Qu'il est là, 30, là, les temps là. Bon, on prend un papier D après ça, là, hein, correct. VB. Nous vous guettez aujourd'hui, VB, point intéressant. Ok, si ils avaient déconnecté, nous continuons, désert, nous vous finir. Espérez, nous allons aller. Delete. Doucement, on va faire ça. Allez, là, on descend. Non. Descend, on va courir, on va voir division. Allez, 200. Il a basé la base. Il a 100 divisé par 2. Divine 100. Remainder 1. Nous mettons le remainder là. 100 divisé par 2. Il fait 50. Remainder 0. 50 divisé par 2. Il fait 25. Remainder 0. 25 divisé par 2. Il fait 12. Remainder 1. Ouais. 12 divisé. Ah, bien bon, ils ont fait tout. Par respect, moi, je vais faire ça. Je vais suivre. Menti. Faut pas débarquer. Allez. Correct là? Bien bon, ça, ils ont fait trouver un erreur. Ils ont trouvé un erreur là que je vais faire. Mais je vais suivre. Bien bon. Allez. Continuez. On arrive 12 là. Hein? 12 divisé par. Il fait 6, 7, 0. Arrête, ramasse le remainder. Divisé par 2, il fait 3. Remainder 0. Et 3 divisé par 2. Il fait 3 N remainder 3 divise ouais, bon, remainder 1 ouais. Et N divisé par 2 il faut être à 0 remainder 1. Allez, là vous pensez sa réponse. Nous checker N D 4 8 16 32 64 128. Déjà les bourrées 128 plus 64 plus 8. Ouais, donc quoi sa réponse? Nous déjà écoute. 128 plus 64. Ouais, bon là. 128 plus 64. Plus 8. Bien bon. Top. Descend good. Correct. On arrive depuis là. On corrige tout, presque tous les voies. Attends, nous prêts pour finir là. Ctrl E. Et puis on délite ça. Dernière question. Donc ça, nous avons encore une réponse par qui. Moi, vous connaissez, vous expliquez ce truc. 255. Les enfants là connaissent base D sur heading li N D 4 8 6 30 64 128. Le heading 256. Ah, les enfants là qui ça les finis connaît réponse qui divine. Code 256 là les 0. Le reste pour tout limite N. Qui fait parce que si les NNN c'est next heading. 256,
Diffère-toi 10, 155. Réponse A, bon. Bon, un élève qui est capable de check réponse. Comment allez-vous check réponse? Les quatre check réponse A, bon. Comment allez-vous check réponse ça? C'est, bon, bon, on t'a dit, il fait 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus D plus 1. Tu peux ajouter tout ça là, les bougains, 10, 155. Correct? Mais ici, il y a un, tous les tas de rappels, next heading. Next heading, minus 1. Mais il y a 256-1, réponse fait à 255, c'est ce qu'on fait exact. Soit, si tu as envie de montrer division méthode, tu peux faire 255 divisé par 2, pour faire toi, quoi, 255 divisé par 2, pourquoi tu fais toi 128, 255 divisé par 2, 255 divisé par 2, tu fais toi 127, voilà. Ouais, ouais, tu fais 127, remainder 1, 127, remainder 1. Là, tu fais ramasse remainder là, amène pas le pays là. Correct, tu comprends? Là, il est divisé par 2, il ramasse remainder, il y a pour la même réponse. Ok. On dit, je vais vous expliquer un peu de topic pour vous faire des devoirs pour la prochaine classe. Allez, ça ne close. Ctrl I. On va delete ça. Maintenant, là, nous allons l'expliquer. Hexadécimal. Avant mon épisode hexadécimal, je fais une petite révision, si c'est pas mal. Une petite révision décimal. 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 Décimal, c'est pas un heading qui est des enfants. Il dit 1, 10, 100, 1000, 10 000, il peut aller comme ça. Est-ce qu'il peut connaître comment il gagne ça? C'est 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, et 10 to the power 4. Est-ce qu'ils ont ça? Là, le travail binary. Binary, qui est-ce que tu gagnes? Tu gagnes 1, 10, 4, 8, 6, 32, 64, 128. Quoi de gagner ça? Tout ça par 0, tout ça par 1, tout ça par 2, tout ça par 3 et tout ça par 4. Allez, un des enfants, c'est la position. Si mon travail est hexadécimal. Ça, c'est ça, distance, ça, distance, ça, distance, tout ça. C'est un hexadécimal, hexadécimal. Qui baisse ça? Ça n'a pas de diamant. Baisse 16, baisse 16. Allez, baisse 16, d'après eux, qui est-ce que vous venez? 16 to the power of 0. Anything to the power of 0, combien ça? Après, qui dit win? 16 to the power of 1. Comment il fait 1? 16. 16 to the power of 2. Comment il fait 250? 256, très bien. Et 16 to the power of 3, qui dit win? 256. Ouais. Ouais, 4096. Correct? Allez, allez, nous répondons. Base 10 nous dit 1, 10, 100, 1000, 10 000. Base 2 nous dit 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, nous allons. Base 16 qui nous dit 1, 16, 256, 1096. Correct? Base 16. Maintenant, ouais, vous avez bien compris. Ouais, 4096. Maintenant, base 16, vous avez fait un peu. Ça m'a fait expliquer le livre. Ne peux expliquer hexadécimal, mais bien hexadécimal dans le livre. Là, on a vu tout à l'heure la carte. Voilà, ne peux expliquer dans le livre, c'est tout ça dans le livre. Hexadécimal, hexadécimal, je veux dire, lis bien pris avec le binary, et tout le hexadécimal avec le hex. Et après ça, c'est correct. Et ce matin, il y a 16 sur 0, il y a 16 to the power 2 16 to the power 3 4096 16 to the power 4, bien correct. Maintenant nous continuons à expliquer. Correct. Allez, suivez ça bien, je dis moi qui partit ce par contre. De base 10, ça c'est quoi base? Ça c'est quoi base 16?
Mes étudiants. Allez, si moi dis 0, là, il y a 0. Dans hexadécimal, si nous vous dis 0, même. Et là-bas, il y a réussi comme 0, là, on va mettre les 0, même. Si nous dis n, correct, il a réussi les 1, même dans hexadécimal. Là-bas, il y a réussi les 1, mais ça va 0, là, c'est tu poses ma question. Ça va 0 devant là, comme 0, là, on va mettre les 0, même. Là. Parce qu'il est n, même. Là. Est-ce qu'ils ont bien compris? Allez, 2. De binary, c'est bien. Deux de binary. De hexadécimal, c'est le crédit. Mais de binary, c'est comment le crédit? Est-ce qu'ils ont trouvé? De binary, comment le crédit? C'est bien. De binary, le crédit, comment le crédit? Regarde celui-là. De binary, comment le crédit? Une minute. Ouais, le crédit. N. Parce qu'il est là. N fois D divine D. Et le binary, qu'est-ce qu'on écrit 3? Quoi, infini, nous pourrions connecter là. Ok. Nous pouvons faire hexadécimal. Nous pouvons être vrai connecté. Ok, nous voyons. Est-ce qu'il n'est pas capable de suivre une vidéo de YouTube tout à l'heure? Allez, la plupart des élèves sont rentrés. Si tu ne rentres, nous continuons nos passes. Ok. Ok, on va monter mon caméra. On va regarder ce temps. Stop vidéo. Correct. Et la plupart des élèves sont rentrés. Correct là. Allez, on continue là. Ok, Védia, nous avons avec mon travail, avec les bon, deux, je trouvais dans l'exercice en binaire, nous pouvons écrire N0. Trois, dans l'exercice 3 même, parce que l'exercice est à 0 en F. Donc, on va mettre l'exercice à 0 en F, pour se parer, ça. Correct, dans l'exercice nous avons ça, pour se parer. Mais, nous avons un coup de binary, est-ce qu'ils ont un compte qui arrive? Bon, D divine N0. Qui fait divine N0? Parce que ça dit colonne N, qui est un mot de affaire qui est intéressant. Une affaire qui est bien intéressant, ça N, ça colonne N. Non, attends. Plume. Plume. Ça N, ça. Ça D, ça. Ça 400. Ça 800. Ça dit là, limite N. Bon, là. Ça, c'est la D. À côté de D là. Et D avec N. D avec N, il fait 3. Get colonne 4. Je trouve là où là 4. Ça devient 4. Et 4 avec N, il y a 4 avec N. Lila. 4 avec N, il y a 5. Get ça là, 4 avec D. Get 4. 4 avec D. Il y a 6. Get 4 plus D plus N, il fait 7. Correct, on espère que je comprends. Et ça là, il y a 8. Moi, next colonne, là où 8. Pour ça, il y a 8.
Get 8 avec n, comment il fait là? 8 avec n, il fait un if. Ok, moi j'espère beaucoup de gens comprennent qui m'ont expliqué là, à moi effacer. Ça c'est binary, correct binary. Et ça c'est hexadécimal, les restes pareils. Et binary, là. Maintenant le problème, les n dépasse 10, les n dépasse 9, le bouvin 10 à 6. Ça qui est un problème. Hexa, faites là bien, dépasse 10, vous pas gagner un droit écrire 10. Alors, 10, comment vous écrire leur hexadécimal, vous écrire comme A. Ça, les enfants, vous inquiétez. 10, nous pouvons écrire comme A dans l'hexadécimal. 11, nous pouvons écrire comme B. Et 12, nous pouvons écrire comme C. Je donne le 10, hein. 13, nous pouvons écrire comme D. Et 14, nous pouvons écrire comme E. Et 15, nous pouvons écrire comme F. Je veux dire, hexadécimal, combien de digits? Il y en a 0 à F. Voilà. 0 à F. 0 à F. Je veux dire 0 à 15, s'il te plaît. Mais 0 à 15, je vais faire ces chiffres. Maintenant, je vais voir, je vais vous donner et je vais corriger. Convert. Ok, je vous donne des voix. Voilà, ça, une des voix, vous pouvez donner. Je vais donner l'exemple avec des voix. Allez, je vais dire ça. Hein? Je vais convert binary. Avec le convert binary, le binary. Les premiers. Convert binary. Il y a dans l'exemple, hein, il peut donner un chiffre en binary. L'exemple, c'est binary. Binary. Bon, là, il donne l'exemple de la N, 0, N, N. Il se faisait groupe, le groupe des 4. On contient le groupe des 4 digits, le groupe des 4 digits, et le groupe des 4 digits. Correct? Le groupe, le groupe. Et ça groupe de travail séparément. Maintenant, regardez bien. 0, mon premier groupe. Correct. Premier groupe. 0, 0, 0, N. Si nous mettons 0, N, D, 4, 8. Qui chiffre peut représenter ça? Tout ça, on va faire N, même si ça répondre N. Bon, prend 10 groupes. Deuxième groupe là. N, 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 0. Ça a déjà un groupe. Il veut dire N. 2, 4, 8. Je veux dire 8 plus 4, que faire 12 plus 10. 12, 13, 12. 14, nous avons un droit à écrire. De la place 14, nous avons un droit à U. Parce que 14, nous avons un droit à écrire, nous avons U. Correct? Et nous prenons un troisième groupe maintenant. Troisième groupe, nous prenons N, 0, N, N. Je veux dire N, D, 4, 8. Je veux dire 8 plus D, faire 10. Non, attends, 8 plus D, ouais, 8 plus D plus N. 8 plus D fait 10 plus N fait 11. Je veux dire, c'est pas 11, donc parce que 11 fait B. Parce que 11 fait B, c'est bien. 11, c'est là, je veux dire B. Allez, nous pouvons prendre l'exemple, hein. Nous pouvons retravailler parce que les enfants sont capables, une fois, nous ne sommes pas compte. Maintenant, pour faire autre compte, ça, vous faites un petit exercice correct, suivre, ok, control et delete. Allez, get bien là, hein. Vous pouvez faire des colonnes, une minute, des colonnes, je comprends là, hein. Des colonnes. Ça c'est décimal, ok, et ça c'est hexa. 0 est pour 0, n est pour n, d est pour 2, je suis d'accord, jusqu'à qui chiffre vous pouvez parler, ça n'a pas à dire moi. 9. Neuf plus 10. Bien bon. Après, s'il est 10 dans décimal, ici qui est venu? 11 qui est venu? 12. 13. 14. 15. F. Bon, là, une question venue. C'est là capable de dire moi. 16 qui vous venez. Non, nous faisons convert. T'as les mots de ce dîner, il y a exact 16 qui vient. En fait, tu connais qui est pour venir? Il est pour venir N0.
Et dans ce cas-là, je vais commander N0. Ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Pareil, comment tu fais N, D, 3, 4, 20, 9. Le là qui vient, il va venir N0. 20, 10. Le là qui vient, NN, ND. Le là, il y a les cas NF. Le là qui vient, D0, il y a les. Mais pareil, comme ça, ici, le là qui vient, il fait N cycle, ça N cycle, là, fini. Le là, l'autre colonne augmente par N. L'autre colonne augmente par N. Bon, si je ne comprends pas ça, pas pour casser la tête, tu allais me réexpliquer ça. Allez, résumé, qui a envie de rester dans notre esprit, on dit là, ce qui reste dans notre esprit, mon envie, ça reste bien reste dans notre esprit. Après, on peut expliquer les vagues qui n'arrivent pas, hein, on pourrait faire ça. Une minute, tantôt, z. Allez, là, on aurait fait ça. Ça, c'est bien, bien connu là, si c'est pas connu, ça va pas carabouiller des voix. Allez, on va ça, hein, on pourrait faire, allez. On pourrait faire une question, on va aller vite parce qu'il nous donne des voix. Allez, suivez ça bien. Allez, mon réveil. Dans des décimales, 0, il pourrait être par exemple 0, n pourrait être mm, d pourrait être mm, d pourrait être 9, 9 pourrait être 9, etc. C'est moi 10 pour écrire comme A, 12 pour écrire comme B, 12 pour écrire comme C, 13 pour écrire comme D, et 14 pour écrire comme E, et 15 pour écrire comme F. Je vais dire 0 à F, la hexadécimale. Correct là? Allez, maintenant, nous prenons ça le dévoile. Nous allons faire une bonne barre de l'exercice. Ce méthode, c'est une donnée, mais vous pourrez faire ça l'exemple. N0, N, 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 0, 0, 0, 0. Allez, on va copier ça. Si vous voulez faire la copier le diamant, 0, N, ça l'exemple, vous pouvez répondre. Correct. Vous êtes à l'examen, question là qu'on m'a posée. Convert binary to hexa. Convert, il peut écrire comme ça, convert binary to hexa. Bon, méthode là, moi j'ai donné 0, N, 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 0, et 0, 0, 0, N. Dans l'examen, le but de toi. Bon, ce step, step là qui te fait, step là de calice, step là. Group, premier step, step 1, the group. Group, the digits in group of 4. Group the digits in group of 4. Group of 4. Qui veut dire, starting from the right hand side. Right hand side. Les enfants, écoute bien. Mon vin là, mon plume rouge, mon groupe lien, mon groupe des troisième groupe. Croix là, les bons barbons. Ah, c'était ça groupe. Step 2. Step 2. Ça groupe, ou bien each group. Ou bien calculer sur hexa. Each group. Calculer hexa. Calculer hex. Ça groupe, ou bien calculer sur hexa séparé. Comment nous calculer? N, D, 4, 8. Donc, qui devine ça? Diamant. N. Le tout d'accord? Devine N. Parce que n fois n fait n, 0, 0, 0 là. Deuxième groupe, c'est n, 10, 4, 8. Qui vous venez ça, gars, moi 8, ouais, 8 plus 4 plus 10. 8 plus 4 plus 10, comment il fait 14. 14 qui vient ça 2. Voilà. Et ici, n, 10, 4, 8. Qui vient ça, c'est la gars, moi 8 plus 10 plus 11. 11 qui va écrire. B. Veut dire réponse qui vient en hexa. Réponse là, tu viens. B, E, N. D'abord, si tu as envie, hex. Voilà, on fait sa première numéro là. Correct, on va continuer. Si vous avez déjà continué, même question, convert en hexa. Bon, on va le vite. Moi, je vais copier question là. Hein. Correct, on va prendre un deuxième exemple. Voilà. Allez, on va prendre un deuxième exemple, arrête là ça. Voilà, on va prendre un deuxième exemple, on peut expliquer là. On va copier ça, les numéros là-bas, nous travaillons avec ça. Allez, notre client, si vous me faites erreur, dire moi, N après 4, 0, N, 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 0, N. Combien N il a oublié 4, 6, attends, on va rater là, N, D, 3, 4, 5, 6, 7 mots.
Allez, nous vous faisons aller. Vous êtes tous montés ensemble, moi? C'est bien si vous faites rien, vous êtes moi. Allez, nous faisons ça, les mots là. Convert. Convert binary to Xana. Binary to hex. Voilà. Allez, right. Moi, deux autres questions. L'exemple, N0, 0, 0, 0, 0. Combien N? N, D, 3, 4, 5, 6, 7. D'après moi, c'est check un peu. 7. Avec 0, N. Regarde. Allez, ce step qui veut dire, start from the right hand side. Start from the right hand side. Allez, on prend une autre couleur. Mon groupe lié à groupe des 4, ça prend un groupe. Groupe lié à groupe des 4, ça déjà un groupe. Si je me fais rien, diamant, moi, je vais trouver bien. 1, 2, 4, 1, 2. Ça, 3, j'ai un groupe. Correct. On aurait quitté si je me fais rien la copie. Bon, là. Allez, je ne vais pas faire rien. Mais dernier groupe, là, il y a 6 digits. Il y a 6 digits. Je ne vais pas ajouter un additional zeros pour là, il va pour 100 ans. Correct, je vais avoir ajouter 6 mots. Il n'y a pas pour 100 ans. Allez, nous faisons ça calcul là, c'est à moi, je vais choisir une autre couleur à plume. Qui m'a écrit là? N, D, 4, 8, sa première groupe. Qui divise ça? 8 plus combien? 4 plus N, combien il fait ça? 15, qui m'a écrit là sur place? 13, qui descend. A, 10, B, 11, C, 12, combien de minutes? Dis-moi 13, non? On fait rire à la 13. Attends, 13 là qui divise ça? Hein? Allez, moi écris là, je vais faire confusion. A veut dire 10, B veut dire 11, C veut dire 12, D veut dire 13, et D, E veut dire 14, F veut dire 15. Bon là. Et ici, réponse dit 13. 13 veut dire D. Dans Hexa. Correct là? Bon là? Allez, l'autre. C'est là qu'on va dire moi ça qui vient. N, D, 4, non, N, D, 4, 8. Divine 15. N, D, 15. 15 qui vient. F. Bon là? Bien bon. C'est là qu'on a le 8. C'est là qui vient. N, N, D, 4, 8. Qui vient? N, bien bon, 16 bien vite à ce terme. Ici, il y a une N, D, 4, 8. Qui est venu? D. Je veux dire, réponse, c'est quoi? D, N, F, D. En hexa. S, I, X. Quand là, en hex. Braquette là, quand même, mettez, quand même, mettez aussi. Ok? Allez, l'exemple là, bon, à ce temps, nous guettons la livre, est-ce qu'il va rester la même réponse? Nous faisons ça. 21, F. Allez, là, 21, F, D. Vous expliquez bien? Parce qu'ils ont bien des voix là-dedans. Allez. À ce qu'il y a ça, on prend N là-dedans. On va faire tout le monde qui est numéro 2. Ça, des voix, hein. On voit ça. C'est possible. À quel mot prend pour jouer là? A, B, C, D, E, F, qui m'ouvre. Bon, pour corriger un seul, le reste, on voit. Laquelle? Allez, il y a déjà A, il y a déjà B. On prend B là. Correct? Allez, B là. N, 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 0, N, N, N. Correct? Allez, bien sûr, les copies, dit bien, hein. On va faire R, CTRL et DELETE. Voilà. Allez, nous prenons ça. Pourquoi dit N, 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 0, N, N, N. Check and good. Allez, moi, sans ce coup, il n'y a plus beaucoup. Puis après, un groupe des 4, un groupe des 4. Mais c'est moi, tous les deux, start from the right hand side. Moi, je dis, voilà. 4, 4. Et si le T est marqué, il va faire 4, tu ajoutes 0. Hein. Allez, premier groupe. Le corrigé. N, D, 4, 8. Correct. N, D, 4, 8. Allez, qui réponse vient ici? C'est la garde de ma direct. Allez, avec la 7, si 7 a existé, ici qui est venu? C'est la garde de ma. 15. 15, ne pas gagner avec la 15. Qui est venu sur place? F. Voilà, réponse est F7. Par exemple. Correct? Allez. Non, ça, homework. Vous faites lire une goutte presque inertante de faire ça. Ça, homework. Tu sais, on gagne un homework là. Ok, cette vidéo-là, mon Rico, dit là. Correct? Un homework, pas des bilans, hein. Ils ont gagné la vidéo là. Maintenant, vous faites un deuxième exemple. Ici, nous pouvons convert hexa to binary. Convert hexa to binary.
Canaries, l'amour de Dieu dévore. Allez, nous prenons sa première livre d'emploi. Exactement. Le 45A, moi, il fait une banane. Ok? Bon, ça, c'est mon compte avec l'isodi pour nous capables de nous savoir dévoir. Suivre. Convert. Suivre la convert. Hexa to binary. Ouais, allez. Qui est le numéro de type 1? Nous avons essayé la même réponse. 45A. Il y a un hexa. Je vais dire 45. Attends, nous sommes sur le 45A. Ça, il y a un hex. Hexa. Qui veut dire que c'est une binary. Allez, sa méthode là te prend 5 digits de hexa. Sur 4 millions. Quand la 4 chez Binion, 5 là de bourreau de 4 chez Binion, 4 là de bourreau de 4 chez Binion, c'est une réponse. Allez, maintenant, on va expliquer comment faire ça. Sin n, d, 4, 8. Allez, pour gagner 10, qui t'a offert? Ah là, qu'est-ce que ça? Ah, qu'est-ce que ça, enfant? 10. Pour gagner 10, c'est 8 avec n. Est-ce qu'ils ont d'accord? 8 avec n. 8 avec n. Non, 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 8 avec. Avec D. Allez, on finit avec ça. Laisse qui nous fait éliminer 0. Correct là? Allez, nous guettons encore N le là. Ça n'a pas continué. N, D, 4, 8. Pour un 5 qui nous fait. Ouais, enfin, il y a 4 avec N. Nous mettons 4 avec N là. 4 avec N fait 5. Les restes, on met 0. Allez, là qui nous fait. N, D, 4, 8. Comment on peut gagner 4? Ça n'a pas à dire moi. Code 4 là, on met N. Il reste 0. Allez, réponse finale, Aster. Réponse finale, mon petit Aster. 0, N, 0, 0. Après 0, N, 0, N. Ouais. N, 0, N, 0. Ouais. C'est moi, vous avez créé ensemble. Vous avez créé ensemble. Ça, c'est base 2. Correct. Moi, je fais ça l'exemple. Qui nous fait Aster convert hexa to binary. Correct. On fait hexagon binary. Chaque digit là, on casse un groupe de 4. On prend quoi l'autre exemple? Dernier, nous verrons si c'est le là qu'on prend. On prend ça dans la vidéo. Les autres livres, il y en a ça. Et on fait vidéo, les autres guettés. L'autre exemple, c'est BF08. Correct? BF08. On efface tout. Question, c'est convert. Convert, java, convert, hex, to. Binary. Allez. Question qui c'était BF08. Bon là. Allez. Ça 8 là qui nous a fait 0 de 4 digits. Ça 0 là ou 0 de 4 digits. Ça F là ou 0 de 4 digits. Bon là. Et ça B là ou 0 de 4 digits. Bon là. Allez. Comment vous gagnez 8 là? N, D. On va pas mettre bien sa couleur là. Mais B là. N. 8. Allez, diamant qui m'a rempli à cet exemple. Pour gagner 8, qui m'a fait? On met N là. Ouais, les... Bien bon. Si un enfant comprend ça, bien bon. Allez, pour gagner 0, qui nous fait ici? Diamant. Bien bon. Bien bon. À ce terme, F là qui m'a fait. Ça tient à la diamant. Bien bon. Allez, 15. Comment nous gagnons 15? N, D, 4, 8. Ouais, bah tout mettre N, ça va faire plus mal. Hein. Trop rapide. Attends, attends, on va tout mettre N. N, 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 N. Correct là. Allez, B là qui chiffre, ça n'a pas là-bas. 11. Allez, ouais, la fin, il finit 8. 8 avec combien faire 11? Allez, N, D, 4, 8. 8, D, N. Les restes, mettent 0. Sa même réponse, ça, non. C'est moi, ce réponse, ça, vous avez écrit comme ça, l'examen, vous avez écrit en complète. En complète, moi, j'ai écrit comme ça. Vous avez écrit N, 0, N, N. Bon, là. N, 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 N. 0, 0, 0, 0. C'est moi, vous avez écrit à la suivre. La mauvaise départ, à ce vous avez trouvé. Ça, ça, ça. Et ça. Voilà, donc, on va aller. Allez, moi, presque terminé ça. Moi, je vais faire ça l'exemple. Ça dévoile. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on fasse des voiles là? Vous corrigez pour 5 ans. Allez, mon record de l'île, il a le livre, il a le livre, il finit avec les autres livres. Ça dévoile. Hein. Et nous arrêtons là.
Nous allons arrêter là. Le zoom va faire un exercice mal de dîner. Et là, on va sortir depuis la classe. Comment on appelle ça? On va sortir la classe Form 4. On va faire VBS, c'est pratique. Correct? Et ben, les élèves qui ont envie de continuer, ils continuent. On va faire VBS. Et on ne va pas laisser log out, log in. Hein? On va commencer VB. Et qui a envie de sortir, ils sortent. Et comme vous dites, ce qui n'a pas envie suivre VB, les cas pas suivre, si on a envie de suivre, tu peux être intéressant. Correct, mon stop sharing, mais pas besoin de déconnecter, non, rien, moi pour reconnecter. Non, non, attends, moi, comment vous déconnecter, parce que moi, quand je fais VB, le laptop, là, mon corps. Moi, comment vous pouvez VB dans le laptop, là, moi, vous déconnecter, moi, vous reconnecter tout de suite avec même ça. Moi, j'espère que tout marche bien. Ouais, moi, pensez que tout vous marche bien. Ok, moi, pour log out, moi, pour re-login. Il y en a 23 élèves et suivre. Et moi, pour record sa session. Sa session, là, moi, stop ça. Voilà, ça c'est un élève pour vous visez sa vidéo là, vous pouvez vous